Et bonsoir. Oh, le son du jeu il marche. Et le son du jeu il marche. Non, c'est pas vrai. Mais si. Mais si. Bien. On va bien vérifier. Incroyable, j'ai pas besoin de retoucher le son du jeu. Alors, je suis rentré il y a une demi-heure à la maison. Donc, autant vous dire que je suis claqué. Et moi, j'ai pas. Le jeu il marche. Ah. Trop bien! On demande pas pourquoi ça marche, on accepte que ça marche. C'est le principe de, du métier de dev. Bon, j'ai terminé mon truc avec elle. Très bien! Je vous fais traîner mes fiches lecture. J'ai fait une fiche lecture. La fameuse. Vite fait! Et si ça marche? Je sais pas pourquoi. Si ça marche pas, je sais pas pourquoi. Ouais, mais si ça marche, on touche plus. Ah, attendez, il faut que je range ma fiche lecture. Je suis une débile qui a commencé à faire du travail tout à l'heure, mais j'ai pas fini. J'ai fini un livre ce midi. J'ai fini le Orla de Maupassant. Petit recueil de nouvelles. C'est la panique. Ouais. C'est le moment où j'admets que c'était de la merde du comité. En fait, j'ai tout fait pour pas être en retard sur le live et du coup, on se retrouve avec un live avec un début qui ne ressemble à rien parce que j'ai rushé. Mais quoi encore? Mais arrête! Attendez, j'ai un problème là. Ça arrête pas de se rouvrir cette merde. Arrête de t'ouvrir. Je veux que t'arrêtes de t'ouvrir. On est là. J'ai le truc de VR qui arrête pas de s'ouvrir. C'est un calvaire. Ça me fait des retours et tout. Redémarre Oculus. Non, je veux qu'il arrête de s'allumer. Tâche. Et ne te redémarre pas. Non. Ça m'a l'air bon pour l'instant. Tant. J'ai remis le son de l'écran sans faire exprès parce que j'avais le retour derrière. Bon, on va continuer notre histoire avec Claude. Je suis désolée, vous entendez les gars, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. J'espère que vous avez passé un bon lundi. Ah oui, on avait fait la quête où on était devenu. Sire Sagral, je crois, et il fallait qu'on aille aider un autre Pecno. Super, le balade Sagral. Ah, du coup, tout le monde m'appelle Sagral. Je suis à votre service, Sagral. Oui, j'ai buté le nécrophile. Je veux pas savoir. C'est Salvatore. C'est à la fois très light fantasy et très dark fantasy, Salvatore. Et du coup, je peux aller dans les boutiques, là. Donc c'est des boutiques, ça. Oh là 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 là. C'est trop bon. C'est bon. C'est beau. Bonjour. Laissez-moi vous regarder. Quelle beauté. C'est trop pour la maison des balades. J'apprécie la compagnie des mortels. Toute cette... Cher, je suis Elova. Oh, madame, je sais que je suis magnifique. La séduction est mon arme favorite. Ça se voit.
C'est Farrara qui m'a amené ici. Un amour interdit peut avoir Manuel Farrara. Étranges conséquences. Me voilà dans la maison des balades, à manier la plume plutôt que l'épée. Que diriez-vous ? Moi, je préfère manier les grosses épées. Grosses épées ? C'est une relation intense. Bonjour. Vous aimez flâner au clair de lune ? Bonjour. Excusez-moi, mais là, madame, mais quand vous me demandez de devenir votre écuyer, c'est pour du sexe. Super. Sa façon de le dire, c'est une relation intense, c'est une demande de sexe. Elle veut un sex friend, là. Oui, elle veut du sexe. Elle me dit... Beaucoup de sexe. Arrête, tu satures. Je parle à une fée, elle commence par « Oh, comme vous êtes beau, j'adore les mortels, toute cette chair. » Et là, je lui parlais, elle me dit « Voilà, je manie... la plume plutôt que l'épée, parce que je sais pas me battre, machin, tout ça. » Et là, elle me fait « Que diriez-vous de devenir mon écuyer ? C'est une relation intense. Vous aimez flâner, clair de lune ?» She wants a human deep. Oui, on est d'accord. Et moi, je poque la pomme. Je conche la pomme. C'est quoi la fure de vente, mère ? C'est une sorcière de la cour d'hiver qui cherche à détruire l'été. Pour ma part, je pense que son amour pour Wensen est sincère. Sérieux, c'est de la pomme ? Nul ne peut résister à mes charmes. Vous ne me croyez pas ? Demandez à mes nombreux amis. Arrête de démarrer ! Excusez-moi, j'ai un problème. Faut le débrancher sinon. Faut le débrancher là, mais le problème c'est qu'il est branché. Derrière le PC. Je peux y aller. Hein. Bah vas-y, passe sous le bureau. Hein. Attention, je passe au bureau, patron. C'est quel câble ? Ah là là, les lives avec Claude, là. Ça va ? Je suis cogné. Ça va ? Ah oui. Bon, arrête de démarrer, toi. Excusez-moi, j'ai Oculus qui fait de la résistance. Mmh. D'abord, la formation. Compétence requise 0 à 3. Niveau requis 0. Elova maîtrise la compétence persuasion. Contre un peu d'or, vous pouvez suivre ses leçons pour améliorer votre propre maîtrise de 1 point. Les instructeurs en élémentaire ne peuvent former que les disciples de niveau 0 ou plus, et dont le niveau de compétence est compris entre 0 et 3. Ok. Et Claude, lui, il n'est pas dans la persuasion. Il est dans l'assassinat. Gueule dehors. Arrête de cliquer. Salle des éloges. Mais pourquoi c'est si beau ici? Regardez ça. J'adore ce plafond qui n'en est pas un. C'est trop stylé. Un coffre. Félicitations. Merci mon frère. Merci mon père, je pille dans le coffre. Zéro, enfin le pourcentage de chance, c'est le pourcentage de chance de se faire gauler. Je prends tout. M'avais pas vu. Oh, je peux pas passer par là. J'ai de faire le tour. Bonjour. Bienvenue au sanctuaire de l'été, où sont plantées et cultivées les graines du savoir. Je vois que vous. Le savoir. Je suis Green et je possède la chaleur des gris. Mon nom, t'es bleu. Êtes-vous blessé ? Moi, je sais rien, mais j'aimerais bien penser ma grecque. Je suis Green et. Attends, là il dit Green, écrit Green comme vert en anglais. Et là, tu regardes, il s'appelle Green avec un I. Excusez-moi les traducteurs, il y a une erreur. Excusez-moi les traducteurs, vous auriez pu faire pire en disant je suis vert ! Oh là là. Et vous en mes services ? Si j'étais gobelin, il dirait rien du tout. Green le guérisseur. Les sont capables de contrôler leur corps pour soigner leurs blessures. Les mortels n'ont pas ce pouvoir. Je me demande comment vous avez pu survivre aussi longtemps. On se reproduit. C'est comme ça qu'on survit. Je fais ce que je peux. Bien souvent, ça ne suffit pas. Les races mortelles m'ont beaucoup appris. La vie est précieuse, les faillés ont tendance à l'oublier. Du coup, ils vont quand même vachement vers les mortels pour qu'il ait appris autant de choses.
Bah, je dis qu'elles vont croiser pas mal. Nous devrions partir vers. Pourtant, ils ont l'air très isolationnistes. Le récit a changé. Écoute, isolationnistes sur Milan, ça veut dire qu'ils ont croisé. Nous ne pouvons plus. Quand même, une centaine d'humains. L'avenir. Ouais. La maison des balades sert Wensen et la cour. Ces faés sont les héros de nos légendes. Ils incarnent toute la gloire de notre peuple. Sans eux, nous ne sommes rien. D'accord. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Attends, il y a un truc là-bas. Je suis à votre service, Sagrel. Oh, soyez mes maîtresses, comme dans le conte. Qu'est-ce qu'il va encore faire ? Sans parler, comment ose-t-il vous traiter de faible ? À mes yeux, vous êtes aussi féroce qu'un troll. Vous êtes aussi féroce qu'un troll et moi j'ai un cancer de la gorge. Les valeurs de mon récit sont la constance et la loyauté. Je sers cette maison depuis le premier Wensen. À l'époque. Le premier Wensen. Pas encore les balades, nous les vivions. Cherchez mon trico. Et donc déjà à l'époque, quand tu mourrais, il y a quelqu'un qui prend ta place. Mais du coup, c'est pas tellement quelque chose d'imprévu qui se passe. Enfin quoi que. Ouais, c'est vrai qu'à l'échelle d'une nouvelle qui se passe peut-être toutes les semaines, tous les 15 jours, un truc comme ça, bah forcément que ça, pour eux ça doit arriver très peu souvent le fait de mourir. Non. Ah, on a une quête là, parler au roi Wensen. Ah ouais, c'est loin. Ah oui, c'est vrai qu'on a des trucs en plus. Alors attends, je voulais regarder un truc plein, les ratels. Je vais regarder un détail. La bestra. Alors, quête. Qu'est-ce qu'on fait comme quête? Alors. Des quêtes secondaires. Oui. Non, c'était pas une question, ça. C'est une affirmation, des quêtes secondaires. Bon, pas les tâches. Ouais, moi je dis celle-là. Hein. J'ai l'impression que tout est lié aux araignées là. Hein. C'est vrai que l'antipeste c'est lié aux araignées aussi. Parce que c'est pour faire fuir, pour que les bogartes en pestiférés retournent où ils étaient, non? Ouais, c'est ça. C'est l'ordre naturel, les bogartes. Antipeste, c'est un truc où faut trouver le remède. Mais... De toute façon, l'ordre naturel. Parce que j'aime l'ordre. Tu aimes l'ordre et la nature? La discipline. L'ordre et la discipline. L'ordre naturel de la discipline. Et du coup, comment s'est passée ta journée, Renard? Moi, plutôt bien. J'ai terminé la journée à dresser un carré de 60 par 60 mm en gros, vers un carré de 60 par 45 mm. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'étais enfin dressé, c'est-à-dire que je passe à la fraise, je reviens un peu la fraise. J'ai passé la journée à faire ça! Parce que c'était chiant? Oui, c'était chiant, bah du coup, pendant les passes, moi je regardais tout. Quand je faisais le truc. Hein. Nyahaha! Attrape-moi, le bogard! Ah, un petit combat pour se mettre en jambe. Ça fait plaisir, un petit combat pour se mettre en jambe. Tu trouves pas? Dague de l'aurore. Ouais, des dagues. Ya! Je prends tout. Ce qui est à moi est à moi.
Donne-lui une chance. Il n'était pas seul, le fourbe. Ah ouais, d'accord. Aucune chance. Je n'ai pas apprécié leur fourberie. C'est bon, ils sont morts. Tout ça est de ta faute. Tu vas payer pour eux. Le spam, le spam, le spam. Je spam trop vite. Oui. Le jeu il sature tellement. Un anti-spam, j'ai l'impression. C'est pas impossible hein, vu que c'est un mécanique assez fort. Mm. Il est pensé plus pour écrire que pour que pour jouer en fait. Mm. Je l'ai choisi pour son confort d'écriture d'ailleurs. Ce qui est mieux d'un côté. Non, ton PC c'est aussi ton environnement de travail. Par contre j'ai fait un bordel. Pourquoi? Donc clavier. Ah oui. Bah vous devez avoir un magnifique ASMR à chaque live, surtout quand je bourrine. Mm. Mais quel plaisir en vrai. Il m'a cancel. Personne ne cancel Claude. T'as gagné plus woke, ok? Non! Moi le woke c'est un plat! J'aurais dû m'en douter. Que le woke c'est un plat? Mm-hmm. Je prends la touche pour se soigner déjà. Eh! Merci. Comme. Comme régène. Retour à la maison. Comme. Raté. Comme réchec. Oh le saloperie, ils sont mis sur des arbres et ça brûle bien. C'est pour ça que là je me bats beaucoup avec le... Les chakrams. Parce que les chakrams... Ah, hein. Et les chakrams de feu, ça. Bravo. Au chat. Une quête. Un mignon. Bonjour. Eh bien, on dirait qu'une manne vient de nous tomber du ciel. Bienvenue dans le camp des pérégrins, poussin. Oh, c'est les voleurs. Poussin. Quand même pas tombé sur le... Ouh, coquine. Allez, demandez donc. Demandez à rejoindre notre joyeuse bande. Pa-da-pa-da-pa-pa. Non. Non. Moi j'ai la chanson, tu sais, de Robin des Bois dans Shrek. La fameuse chanson où il dit qu'il aime dépuceler des vierges. Oui, c'est celle-là. Celle-là. Il y a tellement avec sa tête. Non, moi je ne peux pas la mettre parce que c'est DMCA, mais... Je peux être sur le téléphone, hein, puis avec le... enfin, son micro. Tu la mets en x2. Il part déjà tellement vite. Ah, tu la mets en x0.5. Ouais. C'est une chanson que j'aimerais bien apprendre à chanter, mais ça a l'air tellement dur. C'est ce que j'ai pensé en vous voyant. J'ai un bon pressentiment à votre sujet, mais l'on donne ici moins de crédit au sentiment qu'on le devrait. Je vais vous envoyer auprès de la chef de camp, Krilgarin. Elle vous dira quoi faire. C'est littéralement, oh j'aime bien ta tête, va voir la chef. J'aime bien ta tête, demande à nous rejoindre. En même temps, c'est la tête de Claude, hein. Comment il aurait pu résister? Il m'a appelé Poussin. Hein. Il a vraiment la tête de l'emploi, Claude. Il l'a appelé Poussin. Poussin. Qui a dit... Attends, regardons la tête de Poussin. Qui a dit que Sir Sagrel n'avait que des maîtresses femmes? Il y a une touche, normalement, pour voir plus près, mais je sais... C'est peut-être P. Non. C'est pas P. Mais du coup, il y a une touche pour voir plus près. Hein. Qui a dit que les maîtresses de Sir Sagrel étaient que des femmes? Ah, bah tiens, hop. Voilà. Non, il dit que ça... Et il a satisfait toutes ses amants. Oui, mais dans cette nouvelle, dans cette balade... Ouais, un homme aurait pu s'y glisser, remarque. Il y en avait tellement... Il peut savoir. Détruire les Jotuns. Ah ouais. Les Jotuns. Oh, c'est joli. Des champignons. Des champignons. Oh, ça fleurit, oh, c'est trop beau. Ce n'est pas une métaphore.
En fait, ce que j'adore, c'est vraiment que ça donne vraiment l'impression que l'environnement, il évolue en ta proximité. Voilà un Jotun, il tape dur. Hein. Bonjour, messieurs. Je te conseille peut-être plus d'y aller avec les dagues. Nice. Oh. Oh. On prend un peu plus rapide. C'est mal. Yes. Ah, t'es en train de stacker le poison, nice. T'es chance qu'on est là. Ouais. Ouais, c'est parce qu'elle sait qu'elle a fait des bêtises. On a vu que je la regardais, mais elle a fui. Ça me dit, j'ai passé le live à aller l'engueuler parce qu'elle faisait n'importe quoi. Juste l'attention, ça se trouve. Hein. Faire chier, ouais. Si elle voulait de l'attention, elle viendrait faire des câlins. Peut-être qu'elle veut qu'on l'attrape et qu'on fasse des câlins. Et elle miaulerait. Ah ouais. Oui, oui, quand elle veut de l'attention, elle fait sa mignonne, elle fait pas la connasse. Connasse. Ouvrez-moi ! Attention, ça sort le truc. Oh, je peux ouvrir la porte ! J'ai cru qu'il verrait jamais. Ouais, non mais là, ça me faisait rire parce que c'était littéralement... Il s'était enfermé avec son coffre et il attendait... Et... après le mien. Mais t'inquiète pas, le son du retour sur mon téléphone. J'ai rien entendu. Qu'est-ce que tu tricotes du coup? Une écharpe. Non. Ce que font tous les gens qui commandent du tricot. Ou déjà. Ouais, que je fasse la mienne. Moi, c'est des mitaines que j'aimerais me tricoter aussi. Inventaire plein. Nyaan. On peut casser des trucs normalement. Oui, mais c'est bon si tu as accès à une forge. Fuck. Alors, s'il y a une forge dans la grotte, c'est le moment. Oh là là, mais tout le boxon qu'on a trouvé là! Ah, sinon, attends. Inventaire, consommable. Je sais pas si ça prend de la place ça. Oh! Bon. Ouais, ça en prend parce que quand je dégage tout dans l'inventaire, il manque encore plein de place. Pas les quêtes. Consommable, qu'est-ce qui m'intéresse pas trop Ah ok, c'est les stacks par contre qui comptent. Comment ça s'utilise là, les prismes? Les prismes d'ombre? J'ai jamais compris comment ça marchait. Oh, je crois que j'ai trouvé toute seule. Ah, voilà. C'est avant pour pouvoir jouer Stealth. C'est juste un cracker, oui. C'est nul. Gaffe avec les bogards pesticides, ils peuvent vraiment te rendre malade. Ah, et puis faire des malus et tout? Exact. Et après, vous allez voir une guérisseuse à gros sein pour se soigner. Quel dommage. Parce que toutes les guérisseuses ont des gros nibards, il me semble. Pour rester dans les clichés. Hein.
Alors qu'avec l'autre, est-ce qu'il serait pas du genre à aller voir toutes les guérisseuses? Qu'est-ce que c'est pas vraiment comme ça qu'on s'en sert. Ouais, il s'est pas arrêté. Le coup de bedou. Merci d'avoir attendu ton tour. Tu sais que mais il charge vachement longtemps pour vraiment. Arrête. À partir du moment où ils sont stagger, c'est lui, ouais. Il est tombé. Il est tombé, mais j'ai quand même pu looter. Hey Claude. Ça n'a pas marché. Ah, ils sont trois. Oui. T'as bientôt son ulti, remarque. Oh putain, il s'est réglé. Arrête de charger. Je vais charger trois là, c'est pas sûr. C'est pour non en fait. Le vrai problème c'est la foule quoi. Et je peux pas les... Je peux pas trop les maîtriser avec la dague. T'as l'ulti. Il arrive encore à taper. Moi aussi j'ai une grosse masse. Supprimé du destin, bravo. Vous ne méritez pas de vivre. Ça. Ça serait terrible que tu les supprimes de l'existence et que plus personne se souvienne d'eux. Mais c'est pas ça, supprimer du destin? Non, tu détruis leur destin à restant, tu supprimes pas leur existence. Leur existence même. Plus de santé, c'est pas top. C'est pas ça que je regarde, que quoi dégager en fait. Ça prend de la place ou pas? Non. Sûr? Oui. Mais cabrac, ça prend de la place, oui. Ça, du coup. Probablement dans le placard à épices. Non, il est bloqué. Ah oui, c'est vrai. S'il essaie de se débloquer, il te prendra la flûte sur la gueule. Ah oui, alors vas-y, raconte aux viewers comment t'as bloqué le placard à épices. Ah, c'est pas ça. En fait, il y a deux placards en angle, comme ça.
Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un truc qui fait, enfin, qui fait blocage entre les deux. Et le truc qui avait la bonne taille et le bon diamètre, c'est une flûte. Donc il y a une flûte qui bloque l'ouverture du placard. Attends qu'elle est contre le mur. Voilà. Alors une caisse à documents en fer ne suffit pas, mais une petite flûte, ça fait. 5 kilos d'objets en fonte, ça ne marche pas. Ah ouais, non, c'est... Une flûte de 100 grammes, ça marche. Ouais, ce chat, c'est un demeuré. Hein. Quand il s'agit de pousser comme un... comme un demeuré, ça pousse. Hein. J'ai envie de faire le même. Tu vois le même du mec qui se retourne sur une gonzesse? Ah. J'ai envie de faire ce même-là, mais avec le chat, et d'en faire 70. Il y en a 70 qui me sont venus à l'esprit, comme ça, et... Si je me lance, je m'arrête jamais, quoi. Se met dans leur chat, le placard à épices. J'ai jamais vu les chats dans leur chat. Hein. Non, ils sont bannis non plus. Hein. Orion, il peut pas rentrer dedans, il est trop gros. J'ai vu les chats dans son panier non plus. On peut pas se mettre sur les chaises, sur la table. Peut-être cet hiver, quand il fera plus frais. Je crois que je suis repéré. C'est le chef, lui. Ah. Ah, dommage. Mais roule. Oh, il s'aligne. Je vais impiger du sang. Arrête de te marrer. Avec ton pot, tu avais impiger du saignement. Ah, c'est saignement et poison sur tes armes. Ouais. En fait, elles sont saignement et moi, j'ai le sort de poison. C'est super bien, ça combote bien ensemble. C'est juste pour faire joli. Mais c'est joli. C'est moi admirer. Ok. Salut Enyo, comment vas-tu? Buonasera. Ciao, mais... Et ciao, c'est pour pas vous dire au revoir. Alors ciao, c'est pour dire bonjour et au revoir. C'était okay. Salut, en fait. Ok. Regardez, on voit sous la map. Regardez, on voit sous la map. J'aime bien casser le jeu. C'est pas souvent en plus que tu peux le casser comme ça. C'est trop beau. C'est un poil inspiré la Cité des Morts. La Cité des Morts? Du Seigneur des Anneaux. À Moria? Non, la Cité des Morts, le Retour du Roi. Oh, oui, 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 bien sûr. C'est trop, trop beau. Bonjour, messieurs. Falloir faire la queue, là. Hein. Non, mais il chargeait encore, celui-là. L'autre, il a chargé 20 fois moins longtemps. Bon, grave, j'ai plein de potions de soin. Et le typo comme tout. Allez. Je crois qu'il demande qui est avec moi. Ah. Yo sono Rena. Incroyable. Je croyais que tu parlais pas italien. Je parle pas italien. Renard est mon colocataire et un des streamers de la chaîne. Faut parler un peu doucement pour lui. Il comprend un peu le français, mais... J'admire, c'est tellement beau. C'est tellement stylé. Morena. Si. Ah, Telocrus, vous m'avez fait une sacrée frayeur. Pour le travoir. On dirait que mes Jotuns ont failli à leur devoir. Mais est-ce pas d'Access qui vous envoie? Ou Lysander, peut-être? Dites-moi tout, ces imbéciles ne savent pas de quoi je suis capable. Ah, ok. Ça me paraît clair quand je vois celui qu'ils ont envoyé pour m'arrêter. Oh, pardon, je me rends compte. Désolé.
Tu es sur mon chemin. Je vais prendre l'escalier. Ouais, moi je veux juste prendre l'escalier. Hein. Salut Spider. Coucou Spider, comment tu vas? Moi on m'a juste dit de tuer les Jotuns, hein, pas de tuer les humains. Du coup, moi je veux juste passer. Vous avez l'air surpris de me voir ici. Comme si vous n'étiez pas là pour m'arrêter. Mais vous arrivez trop tard. En ce moment même, mes serviteurs immortels se réveillent de leur sommeil profond. Non, je crains. Ça vaut aller dans ce cas-là. Oui, mais bah, c'est une part des douleurs. Et votre supplice de RPG sont. Bref. Salut à vous. Qui vous envoie? Pas d'accès. Comment tu vas, Spider? Avec des papouilles sur vous deux. Oh, des papouilles! Ah recule! Ils ont conclu une alliance. De la tour d'Onyx et le ça a marché. Une chance sur deux, ça a marché. Se sont alliés. Vraiment, c'est impossible. Je ne mais pas si, c'est la puissance combinée de mes deux ennemis. Pas avant d'avoir levé la grande armée du parchemin. Je n'ai pas dit mon dernier mot mortel. Vous verrez. Je ne suis pas mortel. Je suis Sire Sagrel. Ah. Bon bah, au revoir. Ah. Nous nous reverrons. Sortons. Moi, je m'attendais à me battre. Ça va, un peu fatigué du sport, mais tout va nickel. Ah. Le sportif. Moi, j'ai pas été au sport, mais j'ai marché 7 km aujourd'hui. J'ai pas été à la salle hier, c'est pas bien. Arcanéide. Les inscriptions anciennes de ce livre semblent s'effacer et glisser sous vos yeux. La seule partie encore lisible dit ceci. Ville d'or, sombre et immobile, jusqu'à ce que ma volonté te réveille. Cercle d'argent, flamme d'émeraude, ce qui est endormi sortira du sommeil. Un symbole étrange semble suivre ces mots, mais ce n'en est peut-être pas un. C'est une quête de faction ça ou pas? Non, c'est la quête du village. D'accord. Ça paraît bizarre. Il y a peut-être une quête de faction aussi à faire. Un petit Aniaï. Ah, mais ça ne se demande pas. C'est la question. Il me demande quel âge j'ai, ça ne se demande pas. En France, ça ne se demande pas en tout cas. Never ask a woman her age. Never ask a man his salary. Ok. J'ai mis du temps à comprendre ce qu'il disait, mais j'ai compris. Ah, je peux pas l'enlever parce que c'est un objet de quête. Un bric-à-brac, il doit y avoir des trucs encore à casser. Non, bah non, connasse. De toute façon, faut que je refasse le tri. Paf! Ah bon? Je ne comprends pas, mais ok. C'est culturel, ne t'inquiète pas. Nanosai no shitsumu wa dame desu. Dame. Oui, je vais aller d'Itandil pour vendre mon stuff. Il y a des magasins ici. C'est un magasin, ça. Frère Fallon aurait dû venir. Celle des artisans. Ragenan, Frau Irsiar, ist nicht gut. Regardez avec quoi je vis. Je flex. Oui, tu peux m'acheter du merdier ou pas? Bienvenue dans la salle des artisans. Si vous venez faire des achats, parlez à Olin ou à moi-même. Bah, parfait. Vendre tout le bric-à-brac. Paf. Et deux secondes, je vais finir de trier. Ouais, j'ai ça. Ah, elles sont à la fois saignement et poison. Ouais. C'est vraiment les dagues du tétanos. Hein. Oui. Et dagues de feu. Plus 5% dégâts le jour, oui. Ça, c'est un peu chiant, en vrai. Les dagues de jour de nuit. Mais je le garde pas, ça. Quel jour. C'est vraiment des dagues ignobles en plus. Qu'est-ce que ça appelle ? Allumer le feu. Oui, rien, c'est des dagues de feu. Il faut appeler Papa Johnny.
Le papa Johnny l'a cramé. Les yeux du destin. Ah, il commence à être un peu daté. Bah, à un moment donné, le stuff de départ, oui. Hein. Même si c'est légendaire, que ça a des bons buffs de base en termes de dégâts, c'est pas suffisant. Bah, ouais, c'est ça. Un mur. Ça s'est mis. 16. Hop. Je t'invite à aller faire du démontage, éventuellement. Ah, oui, c'est vrai qu'on peut faire ça. Si tu veux te lancer dans le craft et faire tes propres armes et armures, c'est assez rentable au bout d'un moment. Ça prend dans les trucs en bric-à-brac ou pas? Nope, c'est ça l'avantage. Tout ce qui est objet, ça compte pas. Oui, mais du coup, je peux le mettre dans le bric-à-brac avant? Oui. C'est ça la question. Oui. Des jambières en cuir à bouillie. Ou des chausses de justice, ça c'est pour guerrier. Justice. Non, je m'en fous. En train de me rendre compte que le build de force finesse, c'est vraiment le build de Bully. T'as une grosse armure pour bully les gens et les assassiner par derrière. Parce que tu crois que moi, c'est quoi comme build? Toi, c'est mage. Toi, c'est fourbe. Mais ça, toi, c'est doublement fourbe. Parce que déjà, un mage, c'est fourbe. T'es fourbe et finesse. Donc, voilà, c'est vraiment le pire rat, en fait. C'est ce qu'on voulait, n'est-ce pas, hein? Oui. Eh oui, c'est moi, Claude. Le rat. Proche de l'homme. Rien une quête, mais avant... Créer des gemmes utilisées pour enchanter vos armes et vos armures. Vas-y, teste, hein. C'est pas compliqué. Gemmes d'armes. Vous pouvez combiner vos pierres pour créer des gemmes. Vous obtiendrez des résultats différents en combinant différents types de pierres. N'hésitez pas à expérimenter. Ah ouais, on peut faire des tests pour les pierres. Non. Ah, c'est qui, Ama Claude? Oui, le personnage s'appelle Claude. Tu peux annuler, du coup, voilà. C'est pas mal. Plus de venin. Je peux mettre ça sur mes chakrams. Oui. Quoique non, j'ai déjà le... T'as pas d'emplacement de pierre sur les chakrams, si? Bah, c'est pas tellement ça, le problème, c'est que j'ai déjà le sort pour avoir le poison. Ouais. Ça se cumule pas. Bah, hésite pas, on va rajouter plus. D'ailleurs, j'ai un peu avancé dans Baldur's Gate. Ouh! Et regarde, ça fait deux physiques, deux empoisonnés, c'est en fait en fonction. Voilà, ça c'est juste du physique. Deux empoisonnés, il me semble, c'est pas... Physique, empoisonné, magique, glacial, flamboyant et protecteur. Essaye d'empoisonner pour voir. Si je mets ça. Un. Deux empoisonnés. Ça c'est moins fort, faut faire des différents. Tu fais poison et glace. Oh! Saignement. C'est plutôt cool pour l'instant. Nice. Alors, ça, c'est pas du saignement. C'est du vol de vie. Essaye empoisonner avec tout, en fait. Parce que je crois qu'empoisonner, c'est assez fort. Quoi qu'il arrive. Voilà. Vol de mana. Ouais. Vol de vie. Protection, ça fera rien. Ah. Coup critique avec les dégâts physiques. Oh! Pas mal. Mais aussi Octobre approche et Spider-Man 2 aussi. Ah oui, le jeu, du coup. 9 de dégâts physiques. On regarde tout en vrai. Les points de vie. Dégâts d'hémorragie. Dégâts perforants, ok. C'est-à-dire que si tu mets des points à tes attaches, tu pourras renforcer les pierres. Dégâts de glace, dégâts de gel. Dégâts de feu, dégâts de brûlure. Dégâts physiques, ok. Vol de mana. Dégâts physiques. Dégâts physiques, ok. Ce qui était le plus fort, c'était physique et empoisonné, en vrai. Bah ouais, hein. Stress de dégâts, hein. Ouais, c'est pas mal. Tu vois, C'est pas grave. C'est pas grave, il me reste. Oui. J'aime créer. Ok. À droite, t'as marqué la qualité. Ouais. Fais retour. Tu peux pas renforcer le gem? Peut-être pas encore. Peut-être pas les compétences. Peut-être pas les compétences, ouais.
Voilà, et là, c'est ce que tu as de disponible. Il y a des cavités. C'est pas les mêmes effets selon où on est. Oui. Oh. C'est ça que c'est bien, les armes qui ont plusieurs emplacements. C'est assez intéressant. Mais je vais passer des heures à faire ça. Le craft est assez sympa en vrai. Pas complexe, mais gratifiant. En France, on peut vraiment faire des trucs assez forts. Je sais pas si résistance au poison, c'est intéressant. Ça dépend où, mais je dirais pas, non. Dégâts de feu, dégâts élémentaires. Ah, dégâts élémentaires, ça peut être intéressant. Ça peut être bien face aux mages et aux bluettes. Ouais. Tu vas le prendre jour 1, le jeu Spider-Man. Il n'est pas déjà sorti. Ah non, c'est Spider-Man 2. Le 2, le Spider-Man 2 qui est sorti déjà, c'est Miles Morales, c'est ça? Il n'est pas encore sorti, le 2. Ben si, il y a eu Spider-Man sur PS4, PS5, il y a eu un deuxième, et là, il y en a encore un, mais c'est le 2. Non? Je me trompe pas? Non, je me trompe pas. C'est un 1.5. Voilà, j'ai raison. On devrait l'appeler 1.5, tu as raison. Spider. Évidemment qu'il a raison, il est trop fort. J'avoue qu'un petit plus 15 d'armure, hein, ça pourrait être intéressant. Hein. Ce qui est intéressant, j'ai pas beaucoup d'armure. Ce qui est intéressant, c'est les pourcentages. C'est vrai que 15 d'armure, c'est pas mal pour le début. Bah ouais, c'est ça. L'avantage, c'est que tu peux les dessertir. Tu les faire dessertir. Après, il faut trouver une armure qui est une qualité. Il y en a. Merde, je voulais pas faire ça. Je voulais voir les gemmes d'utilité. Dégâts contre les ennemis ayant subi de faibles dégâts. Non, ils subissent trop vite les dégâts. Change de coup critique. Ok, 3% c'est pas beaucoup. Dégâts le jour, bah les couilles, c'est nul. Régénération de santé par seconde, bouf. Régénération de santé par seconde, bouf. Régénération de santé par seconde, bouf. Tu vois la régénération de santé par seconde? 0,1. Ah, 0,1, ça, tu vois, quand tu auras renforcé tes pierres, ça, quand tu auras plus 1 régénération de santé par seconde, tu verras, ça c'est pété. Oh, la gemme de brutalité! Plus 5% de dégâts contre les cibles ayant subi des dégâts importants. Ça, c'est bien pour les, la finesse, parce qu'en général, tu fais du gros dégâts, tu fais du gros DPS. Bah ouais, hein. Puis j'ai hâte d'avoir des nouvelles de Mass Effect 5. Oh. Ah. Y a un Mass Effect 5 qui a été annoncé. On jouera Shepard dans Mass Effect 5, rassurez-moi. Shepard? Shepard? Shepard. Vrex. Shepard. Vrex. Shepard. Vrex. Shepard. Vrex. 10% de santé. Ah, ça c'est bien ça. C'est très bien parce que ça. En fait, quoi qu'il arrive, ça sera bien. Donc tu pourras la dessertir et la ressortir plus tard. Oui, et ça reprendra des éléments de la saga Shepard. En tout cas, Yara est dans le trailer. J'attends que tu réagisses, parce que moi je sais pas qui c'est. Yara, c'est la meuf bleue que tu baises tout le temps. Enfin, que les casus baisent, parce que franchement, Yara, elle est aux affaires. On dit que Tali. La carienne. Hein? Comment je sais si c'est les trucs que j'ai équipés? Ah, c'est marqué. c'est marqué où? Marqué là. Oh! J'avais rarement remarqué que c'était marqué. Résistance aux dégâts élémentaires sur le bouclier. La cagoule, elle est équipée. Ah, et elle a deux cavités. Et par contre, les chakras en acier, je suis étonné que... Mais si, c'est ceux qui sont équipés, ceux-là. Pire que tu les équipes pas, sinon. Oui, plus 5% de dégâts contre les cibles ayant subi des dégâts importants. Et la capuche. Faut pas oublier de sortir ton bric-à-brac s'il est dedans.
Ouais, faut que je fasse gaffe. Ouais, regarde, c'est ceux-là, c'est ces chakrams-là. T'es sûr? Oui. Sûre et certaine. Ah, parce qu'il était en arme secondaire, c'est pour ça qu'il était marqué. Ouais. Alors, ah non, c'est pas les mêmes. Par contre, ils font beaucoup plus mal, les nouveaux. Ah non. Ah si, avec la gemme de brutalité. Pour deux dégâts, je pense que ce sera mieux le nouveau, ouais. À deux dégâts après, les nouveaux seront plus forts. Du coup, il me fallait... Oui. La forge. Démanteler. Je démantèle tout, moi. Oui. Pentry, et ensuite bah, tu pourras vendre le bric-à-brac. Par contre, pas sûr qu'on le joue chez Pard. Oh no! Non, ça je le refuse. Je veux jouer chez Pard. Ils ont réussi à faire revenir dans Mass Effect 2, je vois pas pourquoi ça serait un problème dans Mass Effect 5. Bâton! Non, parce que chez Pard, ils l'ont restitué à partir de. De jus de couille de peau qu'il y avait dans son armure, qu'ils ont retrouvé dans un débris de champ de bataille spatial. Je suis désolé, donc s'ils font ça dans Mass Effect 2, ils peuvent le faire dans Mass Effect 5. Du cuir, oui, mais non, c'est un bouillon de cuir. Ouah! Donc tu vas les vendre. Et pour plus. Même pas l'équiper en plus. voleur, tu peux rien faire, MDR. Mal. Tu fais des trucs. La calotte de ses morts. Toujours dans la subtilité là. Les gants. Non, les bandages. Et des ampoules. Non, ouais, c'est bon. Ah, les bons. J'ai fermé une lettre. Je pense que s'ils veulent le ramener, ils peuvent, mais je pense que même dans le sens marketing, ce serait mieux pour eux de le ramener. Ah, mais le marketing est capable de ressusciter n'importe qui. Pas t'inquiéter pour ça, hein. Marketing est une puissance que nul ne doit sous-estimer, hein. La culotte de ce mort! La culotte de ce mort! Putain, la tête de teuteux qu'il a! La culotte de ce mort! Parce que le problème des méchants de Mass Effect, tu suppose? Mass Effect Andromeda. C'est qu'ils sont un peu aux F. Enfin, passer des moissonneurs aux Kirx. Kirx. Ok. C'est ceux d'Andromeda, j'imagine. Je connais pas Mass Effect. Un forgeron? Désolé. C'est la peste rouge, vous savez. Tout ah ton coup de sang. J'ai jamais entendu parler de cette barrière, espèce de barbare! Tu veux tousser? Tous ailleurs. Tu sais, sur le coup, elle est là, ouais, elle tousse, je me suis dit, oh, ça doit être les fumées de la forge, mais non! Ah, excusez-moi, je suis gravement malade et contagieuse! J'ai avalé un charbon. Ouais, voilà, c'est ça. Je veux tout réparer. Et du coup, je peux pas y vendre ma merde. C'est à l'autre. Chercher les petites pièces. J'ai risqué de me... De... Quoi? Sur la mini-carte. Mes petites pièces, les vendeurs. Hein? Mais lui, il a une quête. Oh, le laboratoire d'alchimie. Non, mais je veux parler au mec! Murdoch 1. Les réserves de potions de la milice sont épuisées. Et nous avons perdu notre alchimiste il y a environ un mois. C'est à moi de réapprovisionner le stock de réactifs et de préparer les potions. En fait, t'as Murdoch 2. Murdoch 4. Notre plus grand problème, c'est les regards. Et le meilleur moyen d'y remédier serait le feu. Des potions de feu, du brin d'amadou et de l'écorce de bois lafre. On en trouve dans le bois de Gendara, mais
mais c'est un endroit bien trop dangereux pour les types dans mon genre. Moi, j'aurais dit qu'il s'était enfui parce qu'il supportait pas d'être le troisième. Après, techniquement, les enfants 1, 2, 3, 4, c'est ce qu'il y a dans la famille Vinsmoke dans One Piece. Hein. Ouais, je te rapporterai ça. Bon, le village en a une réserve. C'est pas parce que je t'aime bien, c'est parce que je veux l'XP. T'as réussi à dire ça sans scroll. Il y en a vers les ruines situées au nord du bois de Glendara. Le feu, ça résout tout, oui. Tout purifié par le feu. Préparé ou... Va choisir combien j'en fais. Vas-y, je vais faire des potions de soin déjà. Voilà. Ensuite, expérimenter. Je veux ça et... Ah, émotion aléatoire, c'est, ça peut te coûter la chiasse, littéralement. Faut que j'en mette 2 ou 3. Ouais, je peux en mettre 3. Ouais, c'est en PC 3 pour voir. Au moins de chance de découvrir un objet, un truc, mais ouais. Est-ce que c'est par couleur qu'il y a un pattern ? Quoi ? Peut-être, hein. Non. Amplification magique mineure. Tu sens que tu as acheté les recettes. Potion de force mineure. Venin de serpent mineur. Amplificateur de dissipation mineure. Sauf que mineur, majeur, il faut passer par d'autres ingrédients qui ont les mêmes effets. C'est ça. Dérobade d'assassin mineur. Permettant d'augmenter temporairement votre compétence de furtivité. Attends, regarde. Attends. Parce que ça marque à droite, qu'est-ce que ça fait, les trucs. Donc, les poisons. Et l'autre, c'est quoi? Magie. Ça peut faire du dégât de magique ou du vol de... Ouais, non, ça fait rien du tout. Expérimenter et le faire, ça rend fou. Oui. Exactement. Oui. Et là, tu vas tricher comme dans Skyrim où tu manges littéralement tout ce que tu trouves pour savoir ce que ça fait. Déconne pas, il y a un mode avec des quêtes. C'est d'ailleurs le mode où il y a le doublage par Bob Lennon, où t'as des objets, c'est des pommes qui te retirent 10 000 points de vie. En fait, c'est un poison sur la durée. Genre, c'est un. Je crois que ça te retire 10 points de vie pendant 500 secondes. Et du coup, j'ai pris ça sans faire exprès pendant un combat. Et là, j'ai fait « Oh merde !» Et j'ai dû claquer toutes mes potions pour essayer de survivre. J'ai pas survécu. Vous avez regardé le live action de One Piece? On a regardé 3 ouais. épisodes. Jusque-là, pas trop déçu en vrai. C'est pas ouf, mais ils ont fait leur propre vibe en fait, c'est ça qui est bien. Moi j'apprécie pas mal de points, mais c'est lié au côté humain des personnages. Ouais. Et c'est moins attachant quoi. Bah c'est moins attachant, c'est moins profond. C'est Toby, le héros de l'histoire. Ouais, clairement. Mais moi je trouve que c'est beaucoup plus orienté bagarre. Et encore, il n'y a pas de bagarre, donc pas vraiment. C'est dommage. J'ai eu les extraits, ça passe franchement. Moi, franchement, je trouve que les acteurs sont bien choisis, y a pas de souci, mais je trouve qu'en termes de scénario, ça va trop vite, ça s'éparpille. L'acting est peut-être pas encore au rendez-vous. Après, non, c'est pas l'acting, c'est peut-être la. Parce que c'est vraiment la faute des acteurs, c'est plutôt le. Comment s'appelle celui qui gère les acteurs qui écrit leur texte? Le scénariste? Le réalisateur? Ouais, le réal. Peut-être. Pour la saison 1, là où j'ai peur pour les effets spéciaux de la saison 2, notamment avec Chopper et Brook, s'ils mettent pas le budget, ça va être spécial. Ils ont... Ouais, bah c'est ça. D'autant que, au-delà de ça, il y a un autre point qui m'inquiète, c'est que il va aussi y avoir les Zoans qui vont apparaître, les Logia qui vont apparaître. Genre, va y avoir Enel, va y avoir Smoker, va y avoir Ace, et va y avoir
tous les Zoans, on va y avoir Chopper, on va y avoir l'homme bûche, je sais plus comment il s'appelle. On va y avoir je sais plus comment, l'homme faucon chez à la Basta, il va y avoir l'homme chacal à la Basta. C'est pas juste Pelle. J'étais pas loin. C'était pas loin. Il me manquait une lettre. Pelle. Donc en vrai, il va y avoir plein de trucs. Si on pousse jusqu'à Water 7, il y aura Lucci. Il va y avoir le Chopper géant. Ouf. Oh, ça me fait peur en vrai. Et ben voilà! Ça fait du ménage tout ce bordel! Après, moi, un truc que j'aime bien, qui est un peu spécial mais que j'aime bien, c'est qu'il y a vraiment une vibe hook. Le vieux film Crochet des années 70-80, qui on sent clairement une inspiration en termes de lumière, de décor et de manière de filmer. En vrai, moi, la réelle, j'ai rien à dire. Je trouve que c'est bien c'est fait. C'est assumé, en fait. C'est assumé, c'est bien. Mais c'est surtout que la réelle est pas mauvaise. De vous voir sain et sauf. Nous avons senti la terre trembler. Et comme vous n'étiez pas de retour, mais qu'importe. Notre vie. Non, c'était moi qui lâchais une pêche. Je vous en prie, acceptez ceci. Ce n'est pas grand-chose au vu du service rendu, mais nous souhaitons tout de même vous l'offrir. Non. Pas maintenant. Non, pas maintenant. Bon, au revoir. De toute façon, t'as pas besoin de savoir qu'il y avait un mage bizarre. Ça sera bon pour le scénar que tu le saches pas. Ajoute qu'il donne un frame où tu fais une quête. Vous n'avez pas été active. Travaillez. Ouais, c'est exactement ça. C'est active quête. Et l'assassin, c'est quoi? 10% de dégâts physiques contre les ennemis ayant subi des dégâts importants. Ouais. Donc en gros, là, ça fait au moins deux stuff où je fais plus de dégâts quand les ennemis ont pris des dégâts importants. Ça fonctionne normalement, ça fonctionne bien. Du coup, en gros, c'est plus l'ennemi a pris de dégâts, plus je le marave. Ah, bah il est meilleur. Celui d'au-dessus est meilleur que ton deuxième. Ça, c'est de la merde. Je pourrais cumuler les deux là. Hein. Exact. Ça c'est bien en vrai. La chevalière des balades elle fait quoi? Ok, c'est pas mal aussi. Par contre, il y a une attaque ultime qui dépasse toute attaque dans les jeux. Genre, s'il la mettait dans les jeux, ça les casserait. Dans quoi? Une attaque ultime. Dans quoi? Dans le live action One Piece? C'est le dernier truc dont on parlait, mais sinon je vois pas. Là je la garde quand même parce que je sais pas mais non je vais garder comme ça. Il y a des trucs à vendre hein. Mais du coup oui. Prenez garde dans la forêt. Cet homme a l'air particulièrement heureux alors que son village est en train de cramer. Je suis interdit du village caché de ma c'est le 49-3. T'es parti trop loin. Excuse-moi, Spider, je te vois plus! On est fatigué! C'était tentant, bah oui. Nous sommes généralement mieux achalandés, mais avec la peste rouge, eh bien. Ouais, bon, tout la faute du Covid là, hein! Notre porte vous sera toujours ouverte. Oh, dans le délire, c'est une invitation? Ce ne serait que la troisième ce soir! Il avait comblé toutes ses amantes et avalé trois tonneaux de bain. Pas de masque. Ah, Rivière. Plus l'autre qui poussait là. Excusez-moi, je suis juste gravement malade. C'est vrai qu'elle peut mettre un masque, on a besoin de voir son visage. On a juste besoin de voir son... Vous serez... Claude, il n'y a pas besoin de voir le visage. On a juste besoin de voir son Claude. Claude. Bonjour, moi c'est Claude. Attention au CRS. Oh no! Oh no. Le CRS, oui. Ouh. Oh. Non, tu m'as pas vu, c'est pas vrai. Non. Ramène pas tes copains.
Emmène pas tes copains. C'est vrai qu'ils oublient bien. Ils sont en train de m'oublier d'ailleurs. Non, n'importe quoi. T'es sûrement des rats. Mais c'est pas ça que je voulais faire. Bon, c'est pas grave. L'autre il roule derrière, mais tu crois qu'il viendrait m'attaquer pour sauver son pote? D'ailleurs, anecdote. Ouh! Des anecdotes! Oh, à frère Fallon. Je trouve une lettre. Ah, une autre sur les CRS? Non. Il y a quand même dans une émission un mec. Dans une émission, oui. Qui a sorti CRS égale chevalier de la. Ah oui, d'accord. Il a sorti ça en mode normal. Ah oui, genre tout va bien. Non, mais les royalistes, ils sont spéciaux. Cher frère Fallon, je ne me permettrai jamais de vous cacher la vérité. Mais le fait est qu'on ne me fait pas autant confiance qu'à vous, même s'il n'y a pas de grande différence entre ce que nous sommes et ce que nous faisons. En parlant de notre travail, les nouvelles en ville sont inquiétantes. Les Bogarts sortent en nombre, ce qui veut dire que la peste rouge va sévir. Si Astrid n'envoie pas quelqu'un vous chercher d'ici quelques jours, il faudra peut-être vous décider vous-même à faire le voyage. Les habitants vont avoir besoin de soins, et ils sont chaque jour un peu plus nombreux, et juste devant nos portes, cordialement, Luminista. Luminitsa, pardon. Cordialement, non, imprononçable. Je te raconte pas la tête du présentateur qui a vite changé de sujet, mais tu m'étonnes. Qu'est-ce que tu fais dans ces cas-là? Est-ce que tu peux comprendre? En tant que présentateur, c'est dur de confronter parce que t'as autre chose à foutre, l'émission doit continuer, mais... Mais c'est surtout qu'en tant que... T'as pas le droit, en fait, en tant que présentateur. Parce que t'es pas censé faire du jugement de valeur. Pour autant... Pour autant, on en fait tout le temps. Hein. Oui, mais le truc, c'est qu'ils ont pas le droit de le faire ouvertement. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ils ont pas le droit de le montrer clairement. C'est pas par là qu'il faut que j'aille. Ce qui est le plus proche, c'est celui qui est juste là-dessus. Donc non, je pense que... Il aurait pu répondre par exemple, ou chevalier de l'arrogance est maintenu, en ce moment pas son... Ah, c'est juste posé, ok. Il y a un truc que j'aime pas trop dans ce jeu-là, c'est que... regarde. C'est un jeu à patoune. Non, c'est pas ça, c'est mur invisible. Oui, bah t'as aucune verticalité, aucun moyen de... T'as pas d'environnement, en fait. Ouais, c'est du couloir, je trouve ça un peu dommage. Tu peux dire quelle est cette ignominie ville fils d'un certain homme à moustache? Des ours! Ah d'accord. J'ai pas roulé dans le bon sens. Ah petit ours brun. Hein. C'est un gentil galopin. Tiens malin. Mais pourquoi il réagit à chaque route? L'odeur le stimule. Ça passe normalement. Comme tu fais pas de jugement et tu fais comprendre que tu es en même temps. Juste au milieu. Ah, devoir se faire des ours. Ouais. Faire des ours, Claude serait dans la merde. Hein. Avec le nombre d'ours qu'il a tué. Pourquoi tu cours? En plus, faut que je te tue pour la quête! Reviens! Il se barre avec la quête, NDR! Mais reviens! Ah! Ils tournent tous le dos? Il y en a un qui tourne pas le dos. T'as le temps d'en avoir un, en fait. Je pense que j'ai le temps d'en avoir deux.
Ça a annulé le fait qu'il se lève. Oh, tu coupes le temps de couper. Oh là là, incroyable. Oh, j'adore. En fait, comme c'est Annie. Comme... Oh, il m'a oublié. Il m'a regardé tuer les autres. Il a fait. Oh, bon, j'ai rien vu. Normal. Bon. Une journée normale, quoi. Aujourd'hui, il s'est levé, c'était un lundi. Je me suis pris une dague en soi. Journée classique, en somme. Ah, de toute façon, c'est écrit dans le destin. Mort à 24 ans. Une cirrhose du foie. il est décédé. Rest in custus. In nominus chatonisme. Miaou, mes frères et sœurs. David Goudenov sort de ce corps. J'avoue que le mec, c'était un peu David Goudenov, quoi. Oh. Oh. C'est pas moi qu'ils attaquent. Et puis, de toute façon, moins de criminels dans le monde, c'est pas si mal. Mais c'était pas qu'ils sont en train de crever. Frère Fallon est mort en chemin. Oh, on aurait fini de toute façon à l'échafaud. Enfin, un jour de plus ou de moins. Il suffira. Pour quelque temps, c'est déjà ça. Merci. Merci mille fois. Je vous bénis, merci. Si vous avez besoin de soins, revenez me voir. J'ai mal à un endroit particulier de mon corps. Oh, madame, s'il vous plaît. Je me suis brûlée par friction. Vous connaissez la technique du passage de main. Un bisou magique ferait l'affaire aussi. Eh bien, du vent. Passer les mains, c'est quand même bien. Passer les mains. Une mission pour un engagé ? Oh, c'est parfait. Je n'ai plus un sou et ma mère est au plus mal. En route pour le pont du Veilleur. C'est ce vieux pont en plein cœur de l'Orcarané. Partez vers le nord, puis l'est, puis suivez la route vers le sud. D'accord. Je te laisse, maman. Je serai vite de retour. Je te laisse, maman. Maintenant que le fils est parti, on peut soulever la daronne. Ouais, mais je crois qu'elle est déjà pas très en forme, la daronne. Aussi, vous avez vu glace ? De quoi glace ? Pour moi, glace, c'est un verre. Drôle. C'est bon, je l'ai vu. Des commentaires à propos de glace ? Peut-être ? Je sais pas ce que c'est, glace. Je sais pas ce que c'est non plus. Je t'avoue que moi, en ce moment, je fais que lire. Parce que là, j'avance bien sur ma pile à lire en ce moment. Regarde tout ce que j'ai lu ce mois-ci. Vous serez toujours le bienvenu à Didanil. Toujours. Le film, c'est la suite de Incassable et Split. Je n'ai vu aucun des trois. Incassable. Je pense que c'est... J'ai eu tout ça ce mois-ci. The Promised Neverland, la fin. Non, juste ça. Ah, ok. Attends, à quoi ça... Le dernier tome de A comme association, le premier tome de Divergente, Mémoire de la forêt, le deuxième tome de Harry Potter, ah oui, d'accord. Fondation, le manga à l'appel de Cthulhu, Eclipse, et le Horla. Et je pense que demain, je finis Richard III. En même temps, l'épisode de théâtre, c'est rapide à lire. C'est un peu de la triche. Alors, Harry Potter 2, mieux que Harry Potter 1 ? Les eaux du Loch Didon. Quel spectacle envoûtant. Pas mal de lecture. Oui. Bah c'est, en fait, c'est un avantage de passer beaucoup de temps dans le train. Moi, ça m'arrange. Ça me permet de me calmer et tout. Et concernant Harry Potter 2, il est mieux que Harry Potter 1 parce que chaque personnage est moins chiant que dans Harry Potter 1, je mais présume. Mais toujours pas supportable. Ouais, c'est ça. Ils sont moins désagréables, on va dire. D'accord, oui. Venez me parler quand nous oh, serons c'est un enfer. Rien discret. Les gens de Canerock ont besoin de mon autorité et je la leur donne volontiers. Mais si Barthène revient, tout cela aura été vain. Je vais être après tout, ils aiment bien être soumis, n'est-ce pas ? Il vaudrait mieux qu'il soit mort. Vous heureusement que je réalise à la fin du live. Hein. Je vais être plus clair, il vaudrait mieux qu'il soit mort. Quoi ? Pourquoi ? C'est un crétin borné et superstitieux. Il préférerait lancer tout le village dans une chasse aux sorcières plutôt que d'amasser des richesses. Et amasser des richesses, c'est mieux.
Dans Harry Potter, il y a une théorie au sujet des Dursley. Sur pourquoi ils sont méchants avec Harry. Ouais, j'en ai entendu parler. Tout le monde vit bien, tout le monde vit gentil. J'en ai entendu parler, c'est comme quoi, comme Harry est un Horcrux, machin, tout ça. Mais non, moi je crois juste que c'est des connards. De toute façon, c'est pas possible, parce que dans le tome 1, quand Dumbledore il dit qu'on va laisser Harry aux Dursley, et ben McGonagall elle dit qu'elle les a observés toute la journée et que c'est fils de pute. Elle sait que c'est une horrible personne. Voilà. La seule raison pour laquelle Dudley Martin a survécu à bien pire. Se rend compte un petit peu amical avec Harry à l'épisode 7, c'est parce que c'est sa famille et qu'il n'a pas été totalement parasité par ses parents parce que Harry l'a un peu aidé à être meilleur. Contrairement à Barten, mine de rien. C'est ce qu'il faut pour être un vrai chef. Pourquoi je dois le tuer ? Dites-vous là, je vous ai simplement demandé d'aller à Tisbois pour trouver Barten ou ce qu'il en reste. Bon, ce sera tout. Canerock a besoin de moi. Je suis quelqu'un de très important. Vous savez. On fait chier, on va le sauver. Le mec, il a littéralement dit, vas-y, l'ancien maire, il vaut mieux qu'il soit mort, va me le chercher. Et quand tu lui dis, mais pourquoi je dois le tuer ? Non, j'ai pas dit que tu devais le tuer, oh là ! Déjà, rien que pour ça, rien que pour être honnête, mais avec ça, la fin. Vous avez clairement dit, tout le monde est besoin politique, on va peut-être plus accepter le fait qu'il soit par rapport au mec trop. Ah, les araignées, ça brûle! Régner par la fourberie ou la peur, montre honnête et clair. Oui, c'est juste un truc. Oh là là, tu dirais la même chose de Richard III. Parce que dans Richard III, Richard III, il manipule tout le monde pour devenir le roi. Et après, il est là en mode, ah ah, je vais tous vous niquer, bande de connards! Oh, je savais pas ça, mais après, ouais, je savais que Dudley se comportait mieux avec Harry à la fin du 7ème livre. Globalement, il se comportait de mieux en mieux. C'est passé par l'étape de la peur. Il a fallu qu'il ait peur de Harry pour le respecter. Et une fois qu'il avait commencé à respecter Harry, c'était avec une personne. Et après, c'était réglé. Il a fallu quand même 18 ans pour ça. C'est con. Les enfants sont méchants de base. Hein. Les gens, ils sont des bullies au collège et au lycée, après c'est des gens adorables. Mais pas oublier que c'est des bullies au collège et au lycée, hein. Pantif vibrant. Les araignées! Ok, alors ici il va y avoir beaucoup d'araignées, donc ami arachnophobe, je suis désolée par avance. Et elle risque de sortir du sol aussi, donc. Elle peut être partout. Voilà. Elle peut être partout, sur les murs, au plafond, dans le sol. Et globalement, je pense qu'on va avoir des surprises. Voilà. Brûle, ça. Voilà. L'avantage, c'est que du coup, je regarde la minimap pour les voir spawner à l'avance. Attends, mais en pire, je ne jouais qu'à la minimap en fait. Si je joue qu'à la minimap, je vais perdre tout l'avantage du jeu, donc à savoir toute la beauté du jeu. Le niveau. Et bah, c'est que le bon monde a arrêté après avoir fait le niveau. Non, mais on te tue pas toi, Spider, on tue les grosses araignées. Seulement
fait, ils sont dégueux avec beaucoup trop de tac. Vous faites ici, je suis venu te sauver, mon gars. Arrière. Attendez, un Allemand. Non, je suis une araignée. Qui vous envoie? Vous avez des nouvelles de Canerock? J'ai ce pouvoir en étant super Spider de l'espace. Je devais retrouver votre je groupe. Je suis le seul survivant. Nous sommes tombés dans une embuscade en entrant dans la grotte, comme si les araignées nous avaient tendu un piège. Ces araignées suivent une stratégie. Des tactiques simples, certes, mais suffisantes pour nous submerger. Je crois que quelqu'un les dirige. Il y a des traces partout. Des empreintes, des toiles déchirées, mais pas de cadavres. C'est peut-être la veuve, allez savoir. Mais il faut prévenir Canerock. En fait, je vais vous tuer. Non, moi je préfère... Garaner, vous êtes trahi. Je préfère faire chier l'autre. Oui, parce que l'autre, c'est un connard. Maudit. Cette mission, c'est trop près. Son idée. Et il veut ma mort maintenant. Je c'était son idée. De ce qui s'est passé et m'occuper de Garaner. Je dois faire vite. Revenez me voir quand nous serons à Canerock. Parlez-moi s'il vous plaît. Parlez-moi s'il vous plaît. Envie qu'il crève, donc je vais le suivre. Sans les ressorts, on est d'accord. T'as pu prendre le raccourci en vrai. Non, mais ça, je préfère le suivre et j'ai pas envie qu'il se fasse buter. J'ai trop peur qu'il y ait un nouveau spawn derrière lui qui se fasse attaquer. Bonjour. Je cours pas vite, mec. À cause de ton armure. Regarde. Je cours vite. Quand t'es sur le point de sortir, la caméra, elle fait nimpe. Ça me fume. Bon. Le niveau, puis on s'arrête. On rend, puis le niveau, puis on s'arrête. Ok. Comme ça, on a le drama. En plus, des fois, dans les jeux comme ça, les IA sont suicidaires. Oui, bah oui. C'est un peu ça qui m'inquiète. Après, là, j'ai jamais vu une IA mourir face à un mob. J'ai l'impression qu'ils sont immunisés tant que tu les aides pas. Je vous remercie de vos efforts pour me sauver. Vous êtes le bienvenu au logis des Philandres, une maison du village. Billy oh, j'ai une maison. Le forgeron du village va la rénover selon vos besoins. Après sa trahison, j'ai banni Garaner du village. Que la veuve le prenne. Profitez de votre nouveau foyer, mais hâtez-vous. Si la veuve est là, nous devons dépêcher quelqu'un à Château Yolvan pour savoir pourquoi. Vas-y, je m'en fous, il a dit que je pouvais aller voir le forgeron. Le housing? Ah oui. En plus, des fois... Non, c'est bon, j'ai déjà lu. Oh, bah... Garaner ou Barten, je ne sais pas lequel pourrait nous sortir de ce pétrin. Et j'ignore qui il reste encore ici. Tout ce que je sais, c'est que je dois fermer les fenêtres, vérifier la cave et prier pour que les araignées ne trouvent pas les fissures dans les bardeaux. Alors, c'est notre maison. Je peux vous retaper le logis des Philandres. Cet endroit aurait besoin d'être agrandi. Oh, si retape-moi. Retape-moi. Qu'en dites-vous? D'accord. Oh, c'est pas cher. Prévenez-moi si vous avez besoin d'agrandir plus. Agrandis-moi! Je veux voir la maison maintenant! Elle est où la maison? Le logis des quoi? Qu'est-ce que ça s'appelle? Des Philandres? Ah, oh, j'étais censé l'améliorer plus. Pas les couilles! C'est celle-là, je crois. Faites vite, j'ai du travail. Oui. Oh! Une petite cahute. Oh, c'est cosy. Je peux dormir. Oh. Je dors une journée. Ouais, depuis le début du jeu, il a pas dormi, Claude. Je suis désolée. Mec, il dort 24 heures toutes les semaines. Tu peux accéder à ta réserve, ça qui est bien aussi. Il va retaper ton perso. Oh, oui. Gain de niveau, alors, on pourrait mettre de l'alchimie, de l'armurerie, de l'observation, dissipation, crochetage, marchandage, persuasion, hors de cheval. Furtivité, qu'est-ce qu'on a? Ah,
Ah, fidélité, ça reste pas mal, mais... Est-ce que t'aimes bien le craft? En vrai, je trouve ça superflu, le craft. Est-ce que tu veux faire armurerie et art de sage? Art de sage, c'est les gemmes? Ouais. Non, je trouve ça superflu. Hein. Okay. Pour moi, le seul craft utile, c'est l'alchimie. L'alchimie, ouais, c'est vrai, pour les potions. Ce qui implique qu'il a déjà fait une fois. Mmh. Bon, let's go alchimie, hein, si t'aimes bien ça. Moi, j'aime bien l'alchimie, je trouve ça bien. Vas-y. Bam! Sorcellerie! Coût d'incantation réduit de 16%. Coût d'incantation réduit de 19%. C'est vrai que les sorts sont lents à se lancer. C'est le coût d'incantation, c'est pas le temps d'incantation. Hein? Ah oui, c'est le coût d'incantation, oui, pardon. Fatigué aussi, hein. Plus de dégâts. Sphère de protection, on s'en fout. Augmenter les dégâts des chakrams. On se fait chier avec les chakrams. Attaque de blocage pour le spectre. Seulement bâton et 7, c'est pas intéressant pour nous. Ouais, mais là c'est intéressant. Il faudrait que tu aies 35 points dans sorcellerie. Ouais, donc pour l'instant. Mais des points finesse sinon. J'hésite à mettre un deuxième point pour le chakram. Dague et lame fae. Dague. Ça c'est quoi? Ça c'est l'arc. Ah, ça, on s'en fout. Ça c'est le prout. Fait chanceler ici jusqu'à 5 mètres devant vous. Il inflige 5 points de dégâts physiques. Ok, 3 projectiles tranchants, inflige chacun. Ouais, il y a hémorragie dessus, du coup. 5 projectiles. Ah, ça monte. Il y en a plus 3, mais 5 projectiles. Ah, ça peut être intéressant de le mettre, parce que 3, ça reste pas beaucoup. Ouais, ça fait pas un énorme angle. Il y a beaucoup de pertes en dégâts. Chacun, 50 points de dégâts perforants. On passe de 35 à 50. Ah oui, d'accord. Let's go. Il y a 12 points de dégâts d'hémorragie en 6 secondes. Pose un piège de givre, on s'en fout. Dégâts considérables lorsqu'on est furtif, mais on fait déjà assez de dégâts comme ça. En furtif et... Ouf, je rajoute un chakram. Allez. Bientôt. Au prochain niveau, normalement. Confirmé. Sauvegarder la partie. Et on va s'arrêter là pour ce soir, de toute façon. Tu vas faire plusieurs saves, parce que si t'as une sauvegarde corrompue, c'est foutu. Je sais, je suis parano. J'ai raison, non? Tu sais, quand on n'a jamais eu le problème... On n'a pas ce genre de réflexe. Bien tout le monde, j'espère que ce live vous aura plu. N'hésitez pas à follow la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à rejoindre le Discord pour voir le planning et discuter avec nous. Demain, ce sera Ildoror à 21h pour Baldur's Gate 3. Et puis mercredi, c'est quoi? C'est Purple? Non, c'est Ready or Not mercredi. Mercredi, c'est Ready or Not, oui. Enfin, pas Purple, puis Ready or Not. Donc, de 16 à. Non, c'est 14h à 17h, c'est deux jeux. Donc, c'est Micro Civilisation et Factorio. Et ensuite, à 21h, c'est Ready or Not. Voilà. Sur ce, tout le monde, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.